Alors, ce n'est pas la famille de sprinteurs sacrés, mais c'est la famille d'un autre cheval qui a marqué son temps, c'est la souche de Gwen, dont l'éleveur avait dit à l'acheteur quand il est venu le chercher, « Si les points bons, je m'en mords un œil !» On parle bien sûr de René Bonnet, le légendaire, le regretté légendaire, éleveur de Gwen. L'élevage de Chandou. D'accord. Alors, donc, c'est bien la souche du Gwen et c'est aussi la souche de la mise de Chandou, une mission en catalogue. La championne de Chandou, lauréate de l'ultime Super Chase. Contre la barrière du fond, vers moi le poulain. Contre la barrière du fond, le poulain vers moi si c'est possible. Et la QPS, ah, super. Star de Chandou, comme sa grand-père, son grand-mère Douce Marie, mais pas comme son arrière-grand-mère Barbacena, qui est avec les projets académiques pour devenir le rentrer dans le registre des QPS. Qui est un mâle sur le ring numéro 2, qui s'appelle Hermita. Ah, c'est un fils de Manduro, grand étalon international, Manduro. Et c'est quand même le frère cadet de Didonc, lauréat l'an dernier, c'est tout récent, en novembre 2016, du prix d'avenir, groupe 3 à QPS. Un an, c'est un tel tour de 4 à QPS pour le reste de l'an. Le frère cadet de Didonc, par Manduro et Canada, même par partie de l'an. C'est la chose aussi de l'idée simple, qui, pour le même élevage de carrière,